Oh mon frère, Gigi. Ne buvez pas. Ne buvez pas. Et qui est la mère? On ne boit pas quoi? Ne buvez pas l'alcool. Ah ok, d'accord. Et on boit quoi alors? Il y a plusieurs boissons, tu peux boire de l'eau, tu peux boire les Vitalons, les Fantal. Il y a toutes sortes de boissons aussi, tu n'arrives pas à boire tout ça, bois la bouillie. Ah ok, ok maman, ok. Mon frère, donne-moi un verre, donne-moi un verre d'eau, donne-moi un verre d'eau. Prends-la bien. Ça va, c'est bon? Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. C'est le chanvre. Je préfère boire et mourir après. Je préfère boire et mourir après. Le Cameroun est pourri, man. Je vous mens pas. Mais le quartier connaît. Mon frère, remets-moi ma vie. Il faut qu'on sache que la liberté, le développement vient de la sueur. C'est une prescription biblique. Tu mangeras à la sueur de ton front. Ce n'est pas à la bouteille de bière. Hé, hey, professeur. Il y a un problème à ça. 80% de nous font ça, nous les cadres. De 16h à 22h, tu ingurgites les bières. Tu regardes les filles, les fesses des filles. Tu parles du football. Tu manges le soya et le cochon braisé. Et le poisson braisé en désordre. Tu rentres ivre, tu tapes ta femme. Tu sais pas si ces enfants ont travaillé à l'école. Et on veut que le Cameroun se développe. Non. Mais vous êtes des gaous. Tu commences la journée par l'alcool. Tu vas produire comment en son? Mais l'alcool ne peut pas empêcher de produire, prof. Tu commences par la 33 musique. Tu es déjà sous. Après, tu dis que c'est pour le Kamto. C'est Kamto qui n'a pas fait que tu deviennes député ou maire. Donc, tu vas quitter le MSC. Non, prof. Là, moi, je suis apolitique. Hein. C'est notre pasteur qui nous a conseillé de boire. Cette église fonde sa doctrine sur la consommation de la bière. Oh, 6000 siècles. Ce mélange de bière et de foi, les fidèles l'appellent ici la bière à Mycine. Quoi? La bière à Mycine. alors, franchement, c'est pitiable. Vous avez compris, prof. Écoutez encore bien la suite. Les cultes qui durent 9 heures de temps sont dédiés à la guérison des âmes et des corps à coups de gorgées de bière et de louanges. Ces gens issus des catégories populaires viennent surtout chercher une solution immédiate à tous leurs maux. Prof, vous avez bien compris. Il y a même les témoins de certains fidèles. Écoutez bien. Je suis arrivé ici malade. Papa Mikougui est venu devant moi et m'a tendu une bouteille de bière à Mycine. J'ai pris la première gorgée. La seconde et la troisième, je suis entré en transe. Ma tension était revenue à la normale. Et je confirme que la bière à Mycine, c'est un médicament. Dival, avant que nous continuions, c'est un contrat. Quoi? Parce que moi, je pars. Oui, vous avez donné... Non, je ne parle plus. Mm-hmm. Si vous ne vous engagez oui, pas. Je... Parce que vous jouez. Moi, je viens mettre ma vie en danger. Duval. C'est tous. Oh, mon frère Longa, tu prends une bière? Passe. Ah, je passe, hein. Oh, toi qui as souffert du vent, de la grêle et des sauterelles, viens trouver chez moi un repos éternel. Gosier, réjouis-toi. Une averse. Santé. Arrêtez de rêver. Ça, c'est chez les blancs. Pardon. Mon petit, tu bois aussi? Ça me concerne pas. Ça me concerne pas, parce que ça pourrait jamais me concerner. Ça ne te concerne pas comment? Pourtant je te vois avec un verre. Ça me concerne pas, et ça va jamais me concerner. Et toi mon petit, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme si je suis enceinte. Non, tu n'es pas enceinte. J'ai même rêvé que tu as bu la bière, ça doit être la bière. Quand on descend sur la verre, on est toujours comme ça. Massa. Et toi mon frère, toi tu dis quoi par rapport à ce sujet? Dans la nuit, des circulations, d'embouteillages qui nous perturbent, des accidents. Non, c'est pas toi. Je m'adresse à ton voisin, celui-là à gauche. Oh, vraiment, l'inconscience des Camerounais. L'inconscience de quoi encore, non, bro? Un petit confinement, on vous a mis dans un petit confinement où vous sortez au moins. Le couvre-feu, c'est à 18h. Hein? Hier, on fait le discours, on annonce qu'à 18h, que les bars et les cinéma, tout peut reprendre. Mais, et le problème est où là? À 18h02,
Tout est plein. Les Camerounais sont versés à l'intérieur. Ils sont en train de fêter. C'est comme si Jésus est de retour. Mais bro, rassure-toi que nous ne sommes pas les seuls à célébrer. Hein. Oh, vraiment, quelle inconscience. Même les animaux sont dans la danse. Voilà, Xavier. Et aussi, parfois, quand le camion de la brasserie tombe, hein, c'est la patte. Laisse-moi le casier, là. Tu passes mal avec le casier. Merci, chauffeur. Merci, chauffeur. Merci, chauffeur. Bonne année, chauffeur. Merci, chauffeur. Merci, chauffeur. Bombo, pardon, fais-nous une petite prière pour les consommateurs, là, s'il te plaît. Tu n'as qu'un seul défaut. Au lieu de rester tranquille là-bas au fond de mon ventre où je t'envoie, tu aimes toujours remonter en ma pression. Mes yeux tournent. Je parle. Je ne sais même plus ce que j'ai dit. Et je ne peux plus marcher droit sur le chemin. Eh oui! Oh, sacré vent! Toi que les musulmans refusent et que les catholiques et les protestants glorifient. Tu as pour secouer ma bouche et pourtant mon ventre. Donne-moi plutôt la sagesse et non la folie. Va-t'en te reposer en paix. Amen. Ah non, la mère, c'est pas bon, ça va. Le père, prends le relais. À la santé des imbéciles qui te fabriquent et des salopards qui t'achètent, des gloutons qui te boivent, des musulmans qui te refusent alors qu'ils embrassent les femmes qui te consomment. Allah. Des chrétiens qui t'acceptent parce que Jésus avait rendu l'eau en vin. Franchement, c'est pitiable. Je te souhaite bon voyage, ma bière chérie. Descends dans ma gorge. Calme ma soif. Monte dans ma tête. Réveille mon vieux cerveau. Rends-moi fort ou faible. Bavard. Somnolent, agressif, et ne jamais te consommer à l'excès et marcher droit sur la rue. Amen. Bon, mes amis, buvons vivant, car la bière, c'est tout ce qui nous reste. Une petite prière de fin, s'il vous plaît. Moi, pense qu'il arrange, pauvre pêcheur, je te bois, rentre dans ma bouche qui est ton domicile, servir dans mes intestins qui est ton corbillard. Repose ton paix dans mon estomac qui est ta tombe. Mais ne trouble pas l'ordre de mes ascaris afin que je ne puisse pas troubler l'ordre public. Amen. Amen. Ok, merci mon père. Papa Jean-Daniel, tu aussi dis un mot? Toi qui as le secret du rassemblement, toi qui réunis là où il y a la division, nous démontons. Toi que les musulmans t'ont refusé, nous les chrétiens, nous t'avons accepté. C'est pourquoi on te voit. Va, que ma gorge soit ton secret et mon ventre ta tombe. Va et ne reviens plus. Mais ne me fais pas marcher à quatre pattes. Amen. Amen.